incroyable où dans la même seconde, regardez cette image, à gauche, Pierre Barlow expédie le ballon de la gagne pour La Rochelle au moment où Daran s'aplatit, le moment de la gagne pour Biarritz. Alors Marc, il faut décortiquer avec nos équipes. Au moment où Daran va lancer le ballon, il y a un ballon qui arrive de derrière. Là. Voilà, il est sur le terrain. On voit Boudehan, voilà, il arrive, je ne sais pas, lancé par un spectateur. On voit Boudehan qui montre le ballon à un moment, il va le voir. Et puis la photo qui est extraordinaire, c'est l'essai simultané de François Darros et le sauvetage de Altahuera Carballo. Le vrai ballon du match, c'est celui que François Darros et les Biarros ont dans les mains. Quelque part, l'essai était valable avec le vrai ballon pendant que Carballo Cette photo est extraordinaire. La photo est extraordinaire. Ah oui. Il y a une équipe qui se sauve, les deux équipes se sauvent au même moment. Et bon, dans le timing, on n'entend pas le coup de sifflet de M. Brousset. Il a vu le deuxième ballon et il siffle une seconde avant l'essai de François Darros. Évidemment, il ne peut pas accorder l'essai. On va dire qu'il y aura une justice pour les Biarros, puisque l'action, on verra, 3-4 pénalités plus tard, cet essai libérateur pour le Biarritz Olympique. Alors Isabelle, on rappelait souvent, il y a des fois, après les jeux au pied, des ballons qui traînent dans les coursives, derrière les mains courantes, et que des spectateurs le renvoient comme ça, sans penser à mal faire, vers la pelouse. Là, il faut dire que le momentum, comme dirait Fabien Galthié, était un petit peu mal choisi. Je ne sais pas si Sébastien et Thierry ont déjà eu l'occasion de voir pareille chose dans leur belle carrière, eux aussi.